manquer de courage pour dire à bien qui dirige mal ce pays et que pendant 40 ans, il a enfoncé le pays dans une situation où on a un président qui arrive même dans 20 ans, il sera difficile de construire ce pays. Déjà la division tribale, déjà l'endettement du Cameroun, pour ceux qui sont des aînés, il ne s'agit pas de manquer de peur, mais il s'agit juste d'un peu d'humanité, un peu de solidarité. Il faut que nous soyons solidaires de ce peuple qui ne comprend pas ce que fait l'élite qui contrôle de l'armée. 40 ans, on n'arrive pas à construire des routes, on n'arrive pas à construire des salles de classe, on voit des enfants mourir de soif. Un enfant de 4 ans qui va chercher de l'eau dans un maïro, le maïro s'effondre sur lui. Est-ce que nous pouvons rester silencieux pour peu que nous soyons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La deuxième question. Est-ce que la deuxième question, par rapport aux prisonniers politiques. Bonne service. Bon, je ne sais pas, il n'y a pas de. Il n'y a pas un appareil pour. Oui, pour. J'ai la vie visite aux prisonniers avant d'arriver ici. Je fais toutes les prisons. Il y a des amis en fou, à Bolivie, à Bafoussan, à ma femme. Et voilà. Je suis allé, j'ai eu la chance de voir nos amis. La prison, ce n'est pas une colonie de vacances. Il y a toujours des civils en prison. Quel que soit votre langue, sachez qu'il y a un petit gardien derrière vous qui va vous donner la conduite à tenir. La prison ne brise pas. Elle apprend aussi la patience. Elle apprend aussi à considérer l'humanité la plus violente qui détruit l'humanité à regarder dans les yeux et à comprendre parfois ses peurs et ses souffrances. Donc, pour quelqu'un qui s'engage en politique, je vais dire lors de notre innovation en 2018, la prison. Elle est faite pour les hommes. Quand ça concerne les animaux, on parle de l'agro. Paul Biya n'utilisera pas ça pour pouvoir nous viser. Au contraire, ça va raffermir notre engagement. Si c'est la prison qui est le prix à payer pour que demain le Cameroun soit libre, sachez qu'aucun militant de l'UMS est emprisonné à l'état actuel, ne répète pourquoi il est là. Thank you very much. You have the floor. Merci. Je suis Fouk Kimé, secrétaire départemental du MRCI à Abidjan. Monsieur le Président, tu dois partir maintenant. Dans votre exposé, tout à la fin, vous avez abordé cette question en parlant de la nécessaire solidarité de ceux-là.